Yo tout le monde, c'est Lézard Productions, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode des Naufragés, plus précisément pour l'épisode numéro 5. J'espère que vous allez tous très bien, ça y est, je suis super content. Le jour vient de se lever, alors le soleil voilà, il est tout en haut. Ça fait super plaisir, je suis trop content. Ça y est, regardez un petit peu ce que j'ai fait au niveau de l'île. J'ai totalement amélioré l'île, j'ai travaillé plusieurs heures dessus pour de une, prendre la pierre. Et de deux, construire tout autour de l'île les petites murailles, donc regardez-moi ça. Ça rend vraiment super bien. Vous avez été plein à me dire, mais Laser, construit une vraie muraille. Là, la pauvre muraille que j'avais faite, c'était complètement nul en fait, hein, qu'on se le dise. Ça protégeait rien du tout, ça protégeait juste l'entrée ici. Donc là, j'ai fait vraiment une vraie muraille. Regardez-moi ça. Je vais passer un petit peu par mon petit pont. D'ailleurs, qu'on va terminer aujourd'hui. Regardez un petit peu ça, les gars. C'est quand même assez magnifique, hein, ma petite muraille qui passe vraiment crème. Donc c'est trop bien. Voilà, je suis content. On n'aura plus jamais de problème avec des pirates qui vont nous attaquer sur l'île. En tout cas, si jamais ils voudront rentrer, il faudra rentrer par cette porte ici. Donc voilà, on essaiera peut-être de mettre une sorte de porte ou un genre de garde ici. Genre si on arrive peut-être à capturer, je sais pas, une panthère ou un truc comme ça, on pourrait la foutre ici. Comme ça, dès qu'il y a un mec qui va rentrer, et bah boum, elle le bouffe, tu vois. Petite astuce ça. Donc voilà, on essaiera de faire ça. En tout cas, la dernière fois, on avait repéré quelque chose d'assez bizarre. Alors je vous le rappelle quand même les amis, on avait trouvé une cabane dans la jungle. Alors je suis pas du tout retourné voir depuis. J'ai aucune nouvelle, voilà, je me suis pas approché, j'ai pas vu des trucs bizarres sortir de là-bas ou quoi. Mais comme j'avais dit, c'est peut-être possible que ce soit un survivant. Alors je sais pas du tout si ça pourrait être quelqu'un que je connais ou pas, ou ça peut être tout simplement un indien ou juste un pirate, hein, qui a fait son campement là, je sais pas. Mais en tout cas, on va aller voir dans cette vidéo. Donc voilà, ça va être trop bien. J'ai hâte de voir qui c'est qui s'est fait une cabane. En fait, ça me paraît bizarre que ce soit un pirate, parce qu'un pirate, pour moi, ça fait pas des maisons dans les arbres, vous voyez. C'est pour ça que ça me semble bizarre que ce soit un pirate. Mais bon, on ira voir ça quand même juste après, on fera attention. On va essayer peut-être aussi de trouver un petit peu de fer pour essayer de se faire des épées en fer. Comme ça, si jamais c'est un méchant dans la cabane, on pourra tout simplement se défendre. Voilà, alors première étape de cette vidéo les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer notre petit pont qu'on avait gentiment commencé juste ici. Vous pouvez voir il manque quand même pas mal de planches, hein. Là c'était un peu la galère, mais vous inquiétez pas, tonton Laser a pensé à tout. Je suis allé couper 2-3 arbres dans la jungle et du coup vous pouvez voir là j'ai 2 stocks de bois tropical et encore 34. Donc ce qu'on va faire directement c'est qu'on va les transformer en planches de bois tropical. Voilà, donc on va s'en faire pas mal de stocks, genre je sais pas... 4, 5, voilà, 5 stocks, ça me paraît pas mal. On va pas tout dépenser parce que j'aimerais bien encore le garder pour les prochaines constructions du coup qu'on va faire. Donc je vais en mettre juste ici, voilà, parfait. Ça fera un bon stock, hein. Clairement, les gars, j'ai dû couper, allez, 6 arbres de jungle, je crois, enfin 6 palmiers. Et encore 2-3 petits arbres de droite à gauche, donc c'était assez compliqué. En tout cas, on a pas mal de planches de bois, donc vous savez quoi, comme d'habitude, on va tout balancer sur la table de craft et on va voir un petit peu du coup ce qu'on a comme, comme truc en retour. Voilà, donc c'est parti. On va poser le tout sur la table de craft. Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 5 stocks de planches, hein. C'est assez abusé quand même là. Bon, on va tout poser. On va commencer à poser. Alors je vais pas tout poser d'un coup parce que sinon ça va me faire trop d'un coup. Voilà, je vais déposer encore après. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça je ramasse pas tout en même temps. Voilà, c'est bon, ça se prend. Et attention, et bah nickel, bah parfait. Et on a eu quoi du coup? On a eu 27 ponts, et bah c'est nickel ça, je pense que ça devrait être largement suffisant, pardon. Donc on va voir un petit peu ça, j'espère vraiment que c'est suffisant, mais je pense que c'est bon, hein. Clairement, je pense qu'il doit y avoir à peu près une vingtaine de blocs, donc c'est parti, on va construire ça comme il faut. Voilà, et donc est-ce que ça marche un petit peu du coup ce que je voulais faire, mon petit truc avec les barrières, ça va, c'est pas mal, ça flotte encore un petit peu, mais c'est pas mal, ça rend quand même bien. Tac, on va poser ça là, et donc vous inquiétez pas, juste après on va pouvoir casser la terre. Qui a juste en dessous, je vais le faire bah, tout de suite. On va juste terminer de construire le petit pont. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Et ça rend vraiment bien, hein. Franchement c'est clean. Alors on va casser tout ça, alors je vais du coup me faire une pelle. On va essayer de se faire une pelle pour casser plus rapidement la terre. En sachant que là c'est carrément au dessus de l'eau. Donc si on y va à la main ça va être une galère pas possible. Donc ce qu'on va faire c'est que ça tombe bien, on a récupéré pas mal de bois. J'en ai plus du tout sur moi, si c'est bon j'ai des bâtons. Est-ce que j'aurais pas dû faire? Non j'ai pas de fer, bon tant pis, on va prendre de la pierre. Et on va se faire du coup une petite pelle en pierre. Voilà, alors elle est où? Elle est juste là. Tiens d'ailleurs ça me fait penser les amis, une petite houe en pierre, ça aussi c'est une super bonne idée. Il faudrait que je commence un petit peu à me faire des genres de plantations, hein. Ça c'est vrai que c'est assez important. Il faudrait que je commence des plantations. Bah vous savez quoi, on va commencer ça aussi en même temps. Oh j'ai envie de commencer plein de choses, c'est un peu n'importe quoi là, faut peut-être que je me calme un petit peu. Mais en même temps les gars c'est tellement bien cette série, enfin franchement même moi là j'aime trop, je vais en survie comme ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, on va essayer de faire un truc assez sympa. On va essayer de se faire un petit champ autour de ce petit poteau.
Voilà, je cherchais le mot, tout simplement. On va casser un petit peu les mauvais arbres ici. Alors ici, les gars, on a un capybara qui est venu se nicher dans mon île. Il est là, voilà, il est enfermé avec moi, du coup, il pourra pas trop sortir, je pense. Mais voilà, en tout cas, il reste sage, là, pour l'instant, il reste contre la barrière. Donc, bah, c'est cool, on va le laisser ici. Ça, on va le casser, on en a pas besoin. Et du coup, on va essayer de se faire un mini champ. On essaiera de se faire ça ici. Alors, je vais juste peut-être casser un petit peu ce qu'il y a là. Par contre, il va nous falloir un seau. Il va nous falloir un seau pour se faire une source d'eau infinie. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faudra vraiment qu'on trouve du fer. Il faudra vraiment qu'on aille miner à un moment. Parce que si on va pas miner, ça va être compliqué. On n'aura pas assez de. Oh, c'est tellement beau la vue ici. Vous avez vu, les gars, là-bas, la lune. Trop, trop beau. Mais en tout cas, il faudra vraiment qu'on aille miner pour avoir de quoi se faire un petit seau, tout simplement. Voilà, voilà. C'est parti, on va casser un petit peu la terre qu'il y a sous notre pont. Comme ça, ça fera un petit peu plus joli. Parce que là, bah, il tient, mais il tient aussi sur la terre. Donc on peut casser la terre, hein, c'est pas un problème. Voilà, hop, on casse ça. On casse ici, parfait. Et ben voilà, bah écoutez les gars, c'est plutôt cool. La nuit est déjà tombée. J'ai lancé la vidéo un petit peu tard. C'est pour ça, en même temps, on fait tellement de choses que ça passe super vite. Donc on va casser ça maintenant, tac. En tout cas, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires à votre avis, qu'est-ce qu'on aura dans la cabane. Est-ce qu'on va trouver un pirate? Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui est mort? Est-ce qu'on va trouver, je sais pas, dites-moi. Moi je vous avoue, franchement, j'ai un peu peur. En fait, d'un côté, je me dis, ça peut être super bien parce qu'on peut trouver des gens bah, super sympas avec qui on pourrait collaborer pour survivre, hein, parce que franchement, pour l'instant, ça va, je me démerde plutôt bien tout seul. Mais c'est possible qu'à l'avenir, j'ai pas mal de problèmes. Donc avoir un ami avec qui jouer, ça serait plutôt sympa. Donc on espère tomber sur quelqu'un. Sinon, au pire, si jamais c'est un pirate, bah, on ira juste le tuer et prendre son stuff. Ce sera toujours ça de prix. Donc voilà, ok. Et bah écoutez, je vais casser encore un petit peu ici. Du coup, c'est parfait, on a récupéré un petit peu de terre juste avant. Et on va partir un petit peu, vous savez quoi, on va aller en direction de la cabane. Comme ça, en même temps, si on voit du mouvement, on pourra essayer de regarder un petit peu ce qui s'y passe. Ok, parfait, j'ai de la nourriture en plus avec moi, c'est nickel. Je vais manger, tout simplement, je vous avoue que j'ai un petit peu faim là. Yam yam, le bon cochon, on adore. Et là, on va, hop, ranger ça là. Perfecto, nickel. Et bah les gars, on y va, c'est parti. On va essayer d'aller miner. Alors je vais pas reprendre mon trou que j'avais fait là, parce qu'il y a vraiment aucun minerai. Et je pense que c'est parce que mon île elle est vachement séparée des autres. Donc du coup on a du mal à trouver des minerais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de partir un petit peu dans la jungle. Vous voyez vraiment la jungle brute, là où les minerais se forment un maximum. Alors je suis désolé si vous voyez pas grand chose. Vous inquiétez pas, j'ai des torches sur moi. Donc dès qu'on va commencer à aller miner, je vous mettrai directement de la lumière, tout simplement. Ne vous inquiétez pas. Mais je vais éviter de gâcher mes torches, parce que si jamais je commence à gâcher mes torches, après j'en aurai plus du tout. Et vous savez ce qui va se passer, on va tous pleurer. Donc voilà, on va éviter de... Oula, ok, petit coup de lag. On va éviter de gâcher les torches. Donc, où est-ce qu'on va se mettre pour pouvoir miner? Bah, je sais pas du tout. Vous savez quoi, j'ai quand même envie d'aller voir cette cabane. Hein. J'ai quand même envie d'aller voir cette fameuse cabane. Je suis désolé, mais là, ça m'intrigue de trop. Ok, il y a une panthère à gauche. Ou je sais pas, un lion, un tigre, je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, il y a un ennemi à gauche, donc ça, on fait attention. Et, mec, c'est un truc de ouf. Alors, c'est allumé dans la maison, hein. C'est carrément allumé. Je vois de là qui s'en dégage, hein. Donc, ça veut dire que c'est peut-être habité. Oula, un pirate. Un pirate, un pirate. Attention, j'avais pas vu celui-là, il m'a attendu dans la pénombre. Ok, on va éclairer un petit peu. Ok, parfait. Alors, il était juste là, les gars, le pirate. Vous avez vu, il y a vraiment des pirates de partout, hein. Faut faire super gaffe. Pour ceux qui ont vu le dernier épisode, c'est vrai qu'ils m'attaquent assez souvent ces petits pirates, donc il faut faire quand même assez attention. Il y en a encore quelques-uns qui sont sur l'île, donc on essaie de faire attention à ça. Hop, on va tuer 2-3 cochons. Voilà, nickel. J'ai bientôt plus d'eau aussi. J'ai bientôt plus d'eau. On va chercher de l'eau. Tac, la petite rivière qui passe juste là. Nickel, je vais un petit peu éclairer, tac. Voilà, parfait, nickel. Et on va boire un peu d'eau, tout simplement. On va boire de l'eau. Tac, j'ai plein de fioles d'eau sur moi, c'est parfait. On va boire un petit peu. Franchement, les gars, c'est cool. Hein. Moi, vraiment, j'aime bien ce qui se passe. Il fait nuit. Bon, ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monstres. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là-bas, je vois un éléphant. Il m'a fait peur. J'ai cru que c'était une énorme panthère là, qui m'attaquait de 5 mètres de haut. D'ailleurs, attention, l'éléphant va se faire manger là, non? Ok, je pense que. Ok, non, ça va. Il a eu de la chance. La panthère n'a pas essayé de le manger. Ça va. Tant mieux pour lui. Et écoutez, on va aller voir cette petite cabane. En même temps, on va essayer de trouver un lieu pour miner. On va essayer de trouver un lieu pour miner. Donc là, il me faudrait vraiment du fer pour avoir genre un seau. Comme j'ai dit, pour faire des plantations, ce serait vraiment nickel. Mais les gars, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est allumé. Genre, oula, qui c'est qui m'attaque? Oh, crocodile! Crocodile, il me reste un cœur. Il me reste un cœur. Il me reste un cœur, les amis. Je vais mourir. Attention, on essaye de pas trop mourir. Je vais essayer de me cacher. On va se cacher avec du sable. Voilà, on va vite se cacher avec du sable. Ok, le crocodile, les gars, il m'a attaqué. J'ai rien compris.
J'ai rien compris du tout. Il est venu, il m'a croqué. J'ai super mal à la jambe là pour l'instant. J'ai plus de nourriture, bah c'est super, c'est super. On est dans la pire situation possible. J'espère vraiment qu'on va trouver de l'aide parce que si jamais on tombe sur un pirate dans la maison d'à côté, les gars, on va se faire bouffer. Hein. Donc là, c'est vraiment, il faut absolument qu'on tombe sur quelqu'un qui puisse nous aider parce que là, si jamais il peut pas nous aider, la personne, on est vraiment dans la merde. Là, j'ai plus de vie, j'ai plus rien, j'ai bientôt plus d'eau en plus. J'entends le crocodile. J'entends le crocodile. Il m'attend. Le mec m'attend. Attendez, on va se défendre. Oh, il est juste là-bas, les gars. Vous avez vu là-bas? Ok, vous savez quoi? À 3, on court. 1, 2, 3. Ok, je cours. Je cours. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Oh, wow, mais c'est super joli. Oh la vache. Oh, il y a des nids d'abeilles. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je me suis fait croquer par un crocodile. J'ai besoin d'aide. Oh, il y a des abeilles qui sortent. Oh, mais c'est. Mais c'est trop stylé. C'est la première fois que je vois des abeilles, les gars, sur cette île. C'est magnifique. Oh, attendez, regardez. Vous avez vu, il y a des ruches d'abeilles là. C'est quelqu'un à mon avis qui cultive des abeilles ou je sais pas trop. Oh mais c'est magnifique ici. Y'a quelqu'un? Oh oh, y'a personne je crois. C'est bizarre ça, attendez. On va passer par ici, c'est écrit quoi? Ne pas entrer. Oula. Pourquoi c'est écrit ne pas entrer là? Ah vraiment, y a vraiment des super jolies fleurs hein. C'est super sympa, c'est très joli. Attendez les gars, est-ce qu'on rentre ou pas là? Parce que c'est marqué ne pas rentrer. Attendez, vous savez quoi les gars, moi j'ai envie de rentrer hein. De toute façon je suis hyper blessé là, il faut vraiment que j'aille trouver de l'aide. Y'a quelqu'un? Oh, y'a un petit chat! Regardez-moi ça, y'a un petit chat! Oh, mais c'est trop bien! Mais attends, mais qui c'est qui habite ici? Y'a quelqu'un? Attendez. Bah, y'a quoi là? Y'a un plan d'eau. Vous savez quoi? On va monter à l'échelle, ok? On va monter à l'échelle. Alors, juste avant, je vais boire de nouveau de l'eau. J'ai bientôt plus d'eau, il faut absolument, gars, qu'on trouve de l'aide. Hein. J'espère vraiment que c'est pas un pirate là-haut. J'espère vraiment que c'est pas un pirate. Ok, on va monter, c'est parti. On va monter doucement. On va monter vraiment doucement. Je fais attention. Ok, il y a une trappe. Je vais essayer d'ouvrir, les gars. Attention, avec la main. Bonjour. Il y a quelqu'un? Je vois personne. Bonjour. Oh, bon. Oh, Dutch? Mais non. What? Mais. Nazir? Eh mec, c'est toi? Mais non, mais. Qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais. Attends. Mais non, attends, y'a un problème là, y'a un quiproquo. Attendez, pourquoi t'as... Moi ça fait des jours et des jours que je suis ici, hein. Ça fait au moins 2 semaines que je suis mais ici. Mais moi aussi, ça fait... Moi quand même pas 2 semaines, ça fait genre bien, je sais pas, une semaine que je suis là. Et je sais pas, moi je me suis installé un peu plus loin là-bas, comment ça se fait que tu t'es retrouvé ici toi? Mais je sais pas, mais tu sais, c'est quand on s'est fait téléporter. Je suis tombé. Ouais. Je suis tombé dans l'espace et je me suis retrouvé ici, je me suis réveillé. Ouais. Voilà, après j'ai dû essayer de me survivre. Enfin, j'ai dû essayer de survivre malheureusement, avec les moyens du bord. C'est dingue. Avait, voilà. C'est dingue parce que ça veut dire que là on était vraiment tout proche, toi et moi. Hein. Moi je suis juste là-bas, je suis sur la plage là-bas. Genre, il y a une petite île et je me suis installé là-bas. T'as une maison, t'as un habitat. C'est pas vraiment une maison en fait, je me suis fait une petite forteresse autour d'une île. Comme ça au moins je suis protégé. Mais j'ai pas eu le temps encore de faire une maison justement. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est fou, mais t'es bien installé là. C'est important. Ça fait au moins 3 fois que je déménage. Et en fait, il y a des gorilles. Il y a des gorilles dans la forêt et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils acceptent pas trop. Ouais, j'en ai vu déjà, ouais. Trop, ah ouais, non, mais bah, c'est justement, chaud. Genre à cause d'eux, j'ai dû déjà déménager plein de fois et là, je vais devoir redéménager quelque part parce que c'est. Ah, mais c'est dingue. Bah, tu sais quoi, au pire, ça tombe bien. On va pouvoir se faire une maison ensemble du coup. Je t'avoue, en vrai, ça fait depuis un moment que. Je me dis, en fait, j'essaie juste de survivre et de profiter et c'est tout. Mais franchement, t'as raison, sympa ton lit. Hein. D'ici, t'as fait ton lit et tout, c'est bien. Je retrouve le petit Dutch là, toujours bonne ordonnée. Bah, et c'est attends, fou, t'as. Attends, sinon ouais. Je déménage, non? J'essaie de déménager le stuff, etc. Bah vas-y, ouais, commence. Je vais juste moi prendre de l'eau, ça te dérange pas, je vois que t'as une petite ressource d'eau juste en bas. Je vais te prendre de l'eau. Voilà, et du coup, ça tombe bien. Mais justement, j'ai vu, mais c'est trop bien, mec, t'as grave géré. Comment t'as fait pour avoir des abeilles et tout? Parce que là j'ai vu les abeilles carrément elles sortent pour prendre le truc dans les fleurs, c'est incroyable, t'as grave géré. Par contre là le mien il est prêt hein. Donc si jamais tu veux le récupérer. Oula attends, il y a un zombie. Attention à ça. C'est la première fois que j'en vois un sur l'île. Tac, voilà. Hop là, voilà, nickel. Mais ouais franchement t'as géré. Si on en a besoin. Bah si on a besoin de mail. Où ça? Il y a un gorille, fais gaffe. Attends, mais attends, éloigne-toi. Vite, on va se dépêcher de partir. Il est où? Ah oui, il est juste là. Ah oui, c'est pour ça en fait que tu te fais attaquer. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Je récupère le miel.
T'es sûr, tu veux pas qu'on le tue? Tu veux pas qu'on le tue ou quoi? Non, 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 ils sont trop dangereux, mec, ils sont trop dangereux. Et quand t'en tues un, il y en a d'autres qui viennent. Ah ouais, je Mec, te faut comprends, je te partir, faut comprends. partir. C'est vrai, ils font grave de dégâts, Moi, ça, j'ai récupéré je suis le d'accord miel. avec toi. On peut partir. On reviendra si jamais on a besoin de nouveau de miel. Vas-y, ça marche, ça marche. Oh, Je voilà, peux regarde, essayer, fais hein, je gaffe peux ici, il y a un essayer, mais crocodile, j'en je me sais suis rien, fait mais manger bon. avant. Fais gaffe, il m'a croqué avant le crocodile là. Il y en a un juste là. Si tu veux, on peut essayer de se le Un faire. crocodile. Hein. Ouais, là, juste là. Je me suis fait croquer quand je suis venu. Heureusement, ça va, j'avais encore un petit peu de nourriture, mais il est juste là, fais gaffe. Dans le À ta coin. droite, il est là. Il est où? Mais non, c'est pas ça. Mais Il est non. mort? Il vient de se faire tuer devant mes yeux par ça là. Par Par cet ça? animal, je sais même pas ce que c'est. C'est un Quoi? paresseux ça. Mais c'est un paresseux. Il s'est fait Attends. tuer par un paresseux, je crois. Hein. Attends, t'es en Il train est de me mort, dire que il est le. mort, T'es en il s'est train de fait me faire dire. manger. T'es en train de me dire qu'un crocodile s'est fait manger par un paresseux. C'est Oula, possible. mais attends, c'est dangereux ces trucs là. Attends, moi je m'approche pas. Hein. Tu sais que crocodile, mec, c'est super puissant. Genre, quand ça te croque, mon pote, le temps que ça referme la plaie et tout, faut bien manger. Hein. C'est un truc de fou. Ok, bah les gars, vous savez quoi, cet animal là, moi je m'approche pas. Hein. Moi je pars. J'ai pas trop envie de l'approcher. Oula, alors l'éléphant, mec, D'ailleurs, ça me fait pareil. Hein. penser, t'as déjà croisé des ours ou pas? Parce que d'ailleurs, c'est vrai que Ouais, on des m'avait ours, dit qu'il y ouais, avait j'en ai des croisé ours, un. tu pouvais croiser des ours, mais Ouais, j'ai déjà croisé des ours, oui. J'en ai J'avais pas vu vu ça un, encore. alors c'était en pleine nuit. J'ai vu un ours, je pense que c'était dans l'épisode 1 ou 2. Parce que, ah ouais, je t'ai pas dit, hein, je filme, hein. Je sais pas si tu vois ma caméra là, je suis en train de filmer. Du coup, Ah, t'es en train de filmer ouais, je suis en train de filmer, ouais, bah à écoute. l'ancienne, quoi. Oula, Oula, mais par contre, ouais, voilà, justement là, oula, je vais avoir besoin de toi là, peut-être, hein, je pense. Attention, fais gaffe, vas-y, nice. Ah, t'as une épée en fer, t'as. Mais mec, en fait, t'as une armure en fer là. T'es allé miner? Ouais, bah oui. Parce que justement. Moi en fait il me fallait du J'ai fer donc besoin. je sais pas s'il te reste encore un petit peu de fer ou pas. Je veux bien en vrai un peu en gratter. Ben, il me reste 3 minerais de fer, à la limite, mais Ah bah parfait. Parfait, autant bah c'est. miner, sinon. Bah Autant vas-y, miner. on ira miner, mais c'est exactement ce qu'il me faut, parce qu'en fait j'aurais bien voulu faire des genres de petites plantations. Tu sais, genre planter un petit peu des petites carottes, un petit peu de Serait blé, tout marrant. ça. Alors je vais te montrer ma maison, t'es prêt? Mec, je pense que t'es. Enfin ma maison. Mon île plutôt. Alors c'est par là, je vais te montrer. Tac. Tu me dis hein, si j'y mets t'as plus d'eau ou quoi, hein. J'en ai encore un petit peu sur moi. Hein. J'en ai encore 3. 3 fioles Non, d'eau sur ça va, mais moi. t'inquiète, j'ai une technique. T'as des quoi? J'ai une technique pour boire de Oh l'eau. regarde, il y a une grenouille là. T'as vu? Juste là. Je sais pas si t'en as déjà vu ou pas Y'a un mec, dans. ça. Ok, les mecs s'en foutent, non mais ça va là. Je les dérange pas. Non Non mais mais je te attends. jure que j'ai vu tellement d'animaux différents maintenant que Bah moi en c'est vrai j'ai affreux, pas trop exploré l'île, hein, je y'a t'avoue. pas tout ça avant. Je suis même pas allé vers là-bas, je suis pas allé vers là-bas. Oula, pardon, je vais te donner un coup. Et du Bah coup, alors mec, justement regarde, d'ailleurs, ça t'es me fait déjà venu ici penser. ou pas? Regarde. T'as vu ici, il y a un bateau. Je sais pas si t'avais déjà vu, non? T'avais déjà vu ça ici ou pas? Non, T'es jamais venu en j'avais fait, jamais toi. mis Alors de j'explique, mes en mains fait, alors ici. déjà ici, il y avait un trésor et j'ai eu un livre d'objectifs. Donc c'est ça. Si veux, je te le donne, ça tu peux regarder. C'est un livre d'objectifs, genre il y a plein d'objectifs dedans qu'on peut faire. Genre, adopter un ours, justement, c'est dedans. Genre, construire une maison, faire un Ah, t'as jardin, tout ça. carrément un kit de survie pour créer des chaises, etc. Ouais, c'est ça, exactement. T'as carrément toutes les indications qu'il faut dessus, quoi. Et en fait, ça, c'est un bateau. Et je pense que c'est des pirates qui ont commencé à le construire. Et en fait, je t'explique, je pense qu'ils ont caché les pièces du bateau un peu partout sur l'île. Genre, justement, en face de ta cabane, j'avais trouvé un coffre trésor. Et dedans, il y avait une cloche. Il y avait la cloche du bateau. Et du coup, si tu montes tout en haut, là, j'ai déjà posé la cloche. Donc, du coup, en vrai, je pense que si on veut essayer de partir d'ici, il faut Je pense qu'on qu'on arrive à pourrait réparer le réparer bateau. le bateau. Ouais, Ah c'est ouais, ça. allez, c'est parti. Tu vois, ici, il y a une cloche. Oui. Ouais, désolé. Ouais, C'est vrai que je c'est un peu vois. fort. Mais du coup, voilà, ici, j'ai déjà posé la cloche, donc voilà. Et je crois qu'il y a d'autres parties encore du bateau qu'il faut réparer. Genre, si tu regardes en bas, il n'y a pas le moteur. La voile, elle est cassée, Tu etc. sais que Donc, moi il y a pas d'ailleurs, mal de choses à réparer. je suis arrivé sur cette île, je suis arrivé sur une plage. Mais t'arrives sur quelle Il y plage? avait Parce de que moi, je suis l'écho arrivé. déjà. Il y a Moi, pas je suis arrivé d'écho dans le bateau déjà. pirate là-bas. Moi, j'ai été capturé. Oula, pardon. Moi, Non, j'ai pas été grave, pas capturé grave, par pas les grave. pirates. Et du coup, après, je suis venu à la nage ici et je suis arrivé sur cette Mais île, quoi. justement, moi je suis arrivé à une plage où il y avait plein de tortues. Il y avait plein de tortues qui étaient en train de faire des œufs, etc. Et c'était Quoi? Ah, trop bien. assez impressionnant. Ouais, il y a une plage quelque part où C'est dingue, on c'est peut dingue. avoir. Bah, faudra que tu me montres ça parce que, mec, la plage de tortue, ça peut être stylé, hein. T'imagines, après, on adopte genre des tortues ou on fait des élevages de tortues et tout, ça peut être sympa. Ça peut faire vraiment une bonne ambiance, quoi. Une petite bonne ambiance dans l'île. Ok, bah cool. Et bah regarde, voici mon. Alors, ça, fais pas attention. Hein. Ça, c'est un pirate qui m'a attaqué. Et en fait, je sais pas, il est venu ici, il a commencé à se faire une maison, mais j'ai réussi à le tuer avant. Donc, heureusement, ça allait pour moi. Mais voilà. Et ça, du coup, mec, ça, c'est ma petite maison. Enfin, ma petite forteresse. Alors, vas-y. Mais c'est un fort là, Ouais, bah oui, c'est vraiment un fort. Alors, regarde, t'as vu, j'ai fait un petit pont. J'ai grave travaillé pour ça. c'est Hein. quoi cet animal à gauche là dans l'eau là? Je sais pas, c'est un genre de grosse baleine ou un gros requin, je sais pas trop.
Et d'ailleurs, je vois qu'il y a de la nourriture qui est en train de flotter. Super. Et regarde, là, tu rentres ici. Ah, par contre, fais attention, hein. Voilà. Tu t'enlèves tes chaussures, s'il te plaît, quand tu rentres. T'enlèves tes chaussures tout de suite. Ah, les Mais attends, chaussures. il y a de l'herbe là, c'est bon là, t'arrêtes là. Ouais, mais Je c'est ne bon, vois hein, plus là. c'est chez moi, tu vois, donc voilà, tu respectes. Et voilà, et du coup, ça, c'est ma petite île que je me suis pris. Et là, je me suis fait une petite tente. Et j'ai Ta ma maison petite là? table. Ouais, c'est ma maison, ouais. Ouais. Et quoi, t'as un problème avec ma maison? Hein? Non mais non, ça suffit largement. En tout cas, ce qui est bien, c'est que question animaux, genre tu risques pas de te faire attaquer ou Ouais, bah justement, c'est ça, parce qu'en fait, je me faisais comme ça attaquer avec par ton des énergie. pirates, je me faisais attaquer par des lions, des trucs qui m'attaquaient. Et du coup, pour éviter de me faire croquer, quoi, bah, je me suis. Ok, là-bas, il y a un pirate, super. Tu veux goûter un peu de miel là? T'as du miel? Mais non. Ouais Mais bah non, oui. mais mec. T'as Bah en vraiment temps du de miel? course. Mais ça fait quoi le miel? En temps de course J'ai. forcément le miel. Et ça va me donner Goûte, quoi? c'est super bon. Mais ça va me Ça donner. va te Ça. donner. Ça va te nourrir, ça va te nourrir, ça va te nourrir. T'es sûr de toi? J'ai pas envie Ouais, de ça va te mourir, nourrir. moi. Ok, attends, je vais m'asseoir sur la chaise, hop. Je vais un petit peu boire là. Attention, les gars, on va goûter ce petit miel de Dégustation de Dutch. miel. Attention, on va goûter. Oh, comment c'est trop bon! Et mais t'as mis des petits colorants dedans là, c'est super bon, je C'est sens un assez petit peu là. sucré, hein. C'est Ah assez sucré, mais c'est super bon. ouais. Ah, j'avoue, punaise, mec, c'est grave bon. Eh, franchement, merci, hein. Tu pourrais encore en avoir là, s'il te plaît? Une petite fiole là? Non, je garde en réserve. Bah, attends, là. Ok, bah en vrai, Je te si rappelle que là jamais. maintenant, le stockage, il est dans l'ancienne maison, mais là, Ouais, où j'habitais c'est avant, vrai. maintenant. Mais après, c'est vrai que si tu mets des gorilles et tout, ça C'est sert à dangereux. rien d'y retourner, quoi, parce qu'on va se faire manger, et ça sert à rien. Mais je me demande s'il n'y a pas un camp de gorilles Ouais, ou mais une je pense espèce qu'il doit y de avoir horde une qui genre se de promène. tribu, un truc comme ça, ouais. Je pense que c'est ça. T'as Tu sais raison. que ça m'étonnerait même pas qu'un jour ils viennent sur ton île et ils te disent de partir, hein, parce que. Ah mais je sais, hein. Mais à mon avis, justement, t'as raison, faut faire super gaffe, hein. Mais même les lions, enfin les pas les lions, mais tu sais, les genres de léopards, les panthères, tout ça, des fois, ça, elles m'attaquent et tout, genre. C'est pour ça que j'ai fait un genre de fort autour de ma base. Comme ça, moi, je suis sûr de pas me faire attaquer, quoi. Ok, parfait. Bah c'est bon, j'ai fait un petit trou du coup dans ma muraille. Ici, on aura un spot bateau. Donc comme ça, si on veut essayer de se prendre un Pour petit le bateau. bateau, exactement. Et bah ouais, c'est sympa ça, n'empêche que j'ai fait. T'as vu là? Je fais une petite sortie. Je taille un peu dans le mur, et bah mec, c'est trop stylé ce que j'ai fait. Je suis trop content. Et voilà, petite sortie, les gars, juste ici. Et là, on va essayer de se faire un genre de petit rebord, histoire de pas tomber. Et voilà, ici on a le bateau. Bah parfait, les amis, parfait, parfait. Et ben nickel. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que la nuit est en train de tomber. Bah, c'est parfait. On va pouvoir essayer de dormir un petit peu comme des gros bébés. Moi, je vais m'allonger là parce que je t'avoue que là, j'en peux plus là. Ah, même moi, en vrai, je suis crevé là. Même Avec moi, tout ce vous savez stress, quoi, les amis? etc. Moi, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo ici. Et la prochaine fois, bah, on fera tout ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui. Donc des petites plantations avec des petites lignes d'eau. On essaiera aussi de se faire un petit peu, je sais pas moi, bah, essayer d'un petit peu trouver les nouveaux animaux, adopter un ours, pourquoi pas. Essayer de faire 2-3 objectifs, j'essaie de faire un jardin. Essayer de, pourquoi pas construire aussi une maison. Ça pourrait être sympa de construire une maison. C'est vrai qu'on là pour l'instant on est vraiment dans un habitat un petit peu bizarre. Une tente quoi. Mais si jamais on essaye de se faire. Bah une petite maison, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, ce petit épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Mettez la cloche pour ne pas louper le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine. Voili voilou, j'espère que ça vous aura plu et on donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ciao ciao! Et moi je vais retourner voir Dutch et je vais me coucher. Bonne nuit!